Élue Miss Étoile au Katanga, Aurélie Mouadi est venue exprimer sa reconnaissance au chef de l'exécutif provincial pour son implication dans la bonne organisation de cet événement culturel. Aux côtés de ses dauphines, la désormais ambassadrice de la beauté au Katangaise a également parlé de son projet d'avenir. Nous sommes venus voir le gouverneur après la compétition Miss Étoile au Katanga. C'est notre parrain de l'événement. Alors on devait passer déjà pour lui dire merci d'avoir pensez à la jeune fille ou à la mode aussi. C'est surtout pour ça que nous sommes venus voir le gouverneur et aussi pour prévoir les événements qui vont suivre au niveau national. Le projet ou le plan de la Miss Étoile au Katanga est sur l'assainissement, c'est-à-dire le recyclage de déchets plastiques. Nous allons essayer ensemble avec le gouvernement de pallier au fait au problème de plastique qui se trouve dans la province. Il faut dire que ce groupe de Miss Étoile au Katanga a été conduit auprès de l'autorité provinciale par la commissaire provinciale en charge de la culture et des arts, Immaculée Bagabé, qui avait chapeauté cet événement culturel.